Eh hey, coucou, il y a quelqu'un? Et bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas capturé, qu'est-ce qui se passe? Capture-toi. Bonsoir. Comment ça va? On se retrouve pour ce soir sur du GTRP, sur Kraken, avec mon personnage. C'est cool, c'est doux. On a des trucs de prévu. Ça va être ton Dax. Un peu moins qu'hier, quand même. J'espère. Donc, ça va être chaud. Bon, on va voir comment ça se passe.
Tout le monde n'est pas encore là, on se danse un peu tôt. Oh, comment ça se passe? On va échanger tout ça, je crois. Et puis on va faire nos petites affaires. On va commencer en douceur, et puis à mon avis, vers 22h, 22h30, les choses sérieuses commenceront sûrement. En attendant, bienvenue à tous, bonsoir. Voilà. Dégâts. Discord. Hop. Tac, bim. Voilà. Bon, tout le monde n'est pas encore là, donc ça devrait être bon. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà les bleus, ça? Oh, calme-toi, calme-toi, là, c'est quoi ce bordel? Tu fais quoi? C'est quoi ce véhicule? Oh, putain, je n'entends pas. Vas-y, pas pour voir. Ouais, non, je t'entends pas, je reviens. Un problème. Je t'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je n'entends pas. Vas-y, pas. Tu veux si tu m'entends descendre de la voiture? Tu m'entends pas aussi. Un, deux, un, deux, un. Ah! Ah, ça y est, je t'entends. Oui, je t'entends. Ok, tu m'entends aussi, c'est bon? Ouais. D'accord. Ah ouais. C'est quoi ce véhicule? Wow, j'ai Ah, pris la porte dans la gueule. c'est ma voiture. Ah ouais, c'est sympa, dis donc, ouais. Ah ouais, un monstre. Je suis monté n'importe où avec ça. Ah oui, bah oui. Ça va? Ça va et toi? Ah super, faut que j'aille me changer là. Ouais, si tu veux, après on y va tous ensemble si tu veux après. D'accord. C'est quoi la radio là? Je suis pas sûr, j'ai pas mis de radio. D'accord, très bien. Mais je suis en train d'y parler là avec Daddy, on est dans le garage. Ok. Mia va arriver, alors juste un petit souci cerveau là. Tu m'as reçu? Ouais, je crois. D'accord. Je lui ai demandé s'il m'a écouté, je lui ai dit que t'allais arriver, que t'avais un souci cerveau. Je cache pas, c'est pas mal, hein, dis donc. Ouais. C'est un petit style et tout, là. Faut juste que je l'étire un petit peu, là, je crois. Paf. Hop. Cache map. Ça, là. Là, on est bien, là. Ah ouais, ah ouais, c'est bien, là. Sinon, tu fais quoi, là? Je communique avec le Refemara pour préparer leur mission de ce soir. D'accord. T'as le contact biker? Je suis pas sûr. Ou un des bikers qu'on a pété l'autre jour? Je Genre crois que Brian. j'ai le numéro du gars là. Qui ça? Du gars. David Biker, David. C'est qui ça? J'en sais rien. C'est le biker ça, c'est le chef biker. Ouais, je crois, ouais. Tu veux pas l'appeler là? Pour voir s'il est là? Ok. Tu fais un appel, tu lui dis est-ce que t'es là? Bon, comme ça, moi je t'entends et je te dirai au pire si selon la réponse. Ok. Ça sonne, mais il n'y a pas l'air de répondre. Ouais, ça répond pas. Il Ok. doit pas être encore réveillé. Faut dire qu'il est un peu tôt là quand même. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait gaffe. D'accord. Vraiment pas. Pourquoi j'ai pas mon overlay Discord? C'est pas normal, hein. Activité. Pef, pef. Mais non, bah non, c'est pas le bon serveur, c'est pour ça. Qu'est-ce qui me fait. Mais c'est pas celui-là normalement.
C'est pas ça. Oh là là. Salut, salut. Salut, ça va? T'as le numéro du biker ou pas? Ouais, justement, il m'a laissé un message. Derrière moi, mais j'avais pas vu. Il m'a dit, je suis là, il y a 5 heures de temps. Il y a 2 heures, il m'a dit, toujours pas de OG. Salut. Coucou. Attends, tu veux son numéro, je te passe. Ouais, vas-y, je crois que je l'ai déjà, mais vas-y, je sais pas où il est le numéro en fait. C'est quoi 555, petit tiret. Ouais. 6600. Ok, merci. Tiens, moi, dis-tu un truc. Ouais, ouais, bien quoi. Ça va et toi? Tranquillement, t'es où là? Je tourne en ville. C'est possible que je te vois avec tes gars? Ouais, pas de soucis, pas de soucis. J'ai envie d'arrêter ce moment. Ouais. Tu viens à la maison direct? Fais au mieux, d'accord? Ok, bah j'ai envie d'arrêter ce truc. Vas-y, vas-y, à tout de suite. Parfait. Ok, les bikers arrivent. D'accord. Et dis-moi, t'es stylé? Ouais, pour l'instant, mais vous avez la tenue du braquage d'hier, faudrait aller ouais, vous changer. Ouais, je connais, changer, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Tu viens, on y va, mais j'ai pas de véhicule là, moi en fait, c'est tout ça, faut rien. Prends le mien, prends le mien. Celui-là, tu viens avec nous? Tu viens avec moi? Petite tête. Moi? Oui, toi? Bah oui, faut que je me change. Ouais, bah viens, je te laisse conduire. Ah oui, d'accord. Je vais me faire défoncer si jamais il y a un impact. C'est fermé à clé? C'est fermé. C'est ouvert. C'est pas moi qui conduis, on est témoins, d'accord? Sinon, c'est la monitrice. Voilà, pas de ma faute. On va au plus proche, hein. Vas-y, mets la pause. Hein. Voilà. La pause est mise, hein. Merci. Hein. La pause est mise. Allez, brum, brum, brum. Ah, mais attends, parce que c'est pas le même véhicule, du coup, faut que je trouve les pédales. Attends, ouais, ah, bah les pédales, c'est toujours au même endroit. Ouais, mais le levier de vitesse, il est un peu chelou là. Faut que je le manche, il est toujours au même endroit aussi. Ah, ah ouais? Merde. Bah, je pense. Je vais me faire défoncer. Oui, c'est bien. Hein. Non, non, mais ça, il y a un pare-buff là, pareil. Ouais, mais il y a déjà une rayure et tout. C'est pas grave, il va. On dit qu'elle y était déjà, ouais, elle y était déjà. Ouais, elle y était. Tu sais quand on va revenir, je lui dis, mais il y a une rayure sur ta voiture. Non, arrête. Je suis censé monter dedans en plus ce soir là. Ah ouais, ouais, je vais lui dire qu'après. Faut que je suce là, faut que je suce là, on est où là? Faut que tu suces là. Ah ouais, attends. Bon, elle est pas mal sa tuture là. Bon, elle est pas mal quand même sa chignole. Non. Quoi, y'a un problème? Oula, oh, oula, oh oula, oula! Y'a un pare-bleu flash! Y'a un pare-bleu! On est arrivé là, c'est bon! Oula, oula, oula! Descendu! Hop, wow! Oh, mais c'est vrai, je sais plus ce que j'ai comme tenue moi! Ben, okay. On est à la maison! Si je vais. Tu veux être tranquille. Moi ouais, je suis prêt. Je t'en dis. Ouais. C'est bien ça. T'as la cravate bleue. Ouais, il ouais, a la cravate bleue. Ça, je pensais avoir des soucis d'ailleurs, mais apparemment. Ah merde, j'ai gardé mon masque parce qu'il y a des gens qui peuvent nous stop. T'es, vous êtes sur quelle radio là en ce moment là, Mia? Miami là. Wow. Vous êtes sur quelle radio en ce moment? 290. Ok. Donc vous avez entendu la radio mais vous ne se le pas. Ça se fait pas. On est où là? Bon ça va sinon bien dormi? Oui. Ouais. Et toi? Super. Oh
T'es un peu déprimé forcément... hier soir quand même, hein? Ouais, j'ai pas forcément dormi. Pourquoi? C'est quoi le problème? J'ai pas forcément réussi à fermer l'œil. Donc... Oh, ça change pas d'habitude, j'ai jamais bien dormi de toute façon. Ouais, t'es comme moi. C'est clair. Un bébé. Ah ouais? Ouais. Quoi? C'est quoi là? On est à la maison. Les bikers qui vont venir. T'as dit quoi? Les bikers qui vont venir. Vous êtes où là? À la maison. Mais il est con, ah, mais je l'ai même pas, putain! Ce que je mange, c'est des papillotes. J'en ai acheté hier. T'en veux une? J'en ai plein les poches. Ouais. Ah ouais, j'en voudrais bien. J'en ai plus là. Oh, dépêche-toi avant que Koba mange tout, c'est un gourmand. Ah hein. Oh bah ça... Allez comme moi. Attends, je vais récupérer mon arme. Je fais le plus vite possible. D'accord. Bon, prends ton temps, ils sont pas encore là. Hein. Ok, ok. De combat, ça c'est bien. Bien. Ok. Opérationnel. Ça y est, c'est bon, c'est opérationnel. Je sais pas où il est, Koba. Non, je suis sûr qu'il a été mangé toutes ses papillettes. Mais non, putain. Mais si. Mais j'en aurais plus, moi, pour moi. Là. Mais ouais. Putain, c'est pas possible. Je sais pas où il est, hein. Ah, j'ai les cachés là, les papillettes. Ah, oh, bah c'est bon alors, vas-y, j'en tu lui dis pas, tu lui dis pas, hein, d'accord. Ok, ok, bon, ça, je risque pas, hein. C'est les miennes. Pas vu, pas pris. Hein. Bah, pas vu, pas pris. Hein. Bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre. J'ai à peine de commencer le live, hein, vous inquiétez pas. On est en RP, qu'est-ce que c'est que ce camion? Ça change que la cabine. Ouais. Que... Il faudrait l'accueillir les bikers s'il vous plaît, ne pas après ne ouais, pas rester okay. Ici s'il vous plaît, genre le temps qu'on fasse. Je me barre quoi. Oui, c'est bon. Wow. T'allais frapper je suppose. Ouais c'est ça. C'est nice. C'est David ton nom? Ouais c'est ça. Ouais je t'ai appelé, tu m'as pas répondu. Tu m'as appelé par téléphone? Ouais. Ah, t'as pas le bon numéro, je pense. Ah, c'est vrai? Attends, si. Oui, attends. Il va. Bonjour, il va rester là, il va rester là. Alors. Ok. 555-6600. Non, mais si, c'est bon, j'ai le bon. Ah, j'ai pas reçu d'appel. Ils sont. Tout simplement. J'ai reçu que l'appel du OG. Ouais, pour le convoi, ouais. Et tes hommes, ils sont pas là? Ils arrivent, ils sont en train de tout déposer la coque dans une voiture. Les trois bambins là, ça se passe bien là avec eux? Ouais, bah t'inquiète, hein, il taffe. Viens, venez. Ouais. On va aller dans la pièce à côté. Ça marche. Ouais, t'as qui on n'a pas confiance là, il bosse aussi. Ouais, lui il fait bien ses preuves, même j'ai envie de te dire. Ah ouais, d'accord. Il suce bien quoi. Ouais, je peux pas trop dire ça, franchement. Calvin, tu peux me dire, c'est à qui le mini SMG? D'accord. Il fait ce qu'on lui demande, c'est le dernier, allez. Le mini SMG? Il y en a aucun qui râle, mais. Bon, c'est à qui le mini FMG? Bon, après ils ont l'air vraiment intéressés. Moi j'ai un bûcheron, scorpion. Ils ont acheté une moto chacun là. Une belle moto de biker. Ouais. Okay. Prends pas. Ouais ils s'investissent quoi, c'est bien. Ouais c'est bien, ils s'investissent dans le truc. J'espère que ça va durer. Ouais c'est clair. Ça va être le bordel ce soir. Oh bah on verra hein. S'il roule bien. Il veut pas suivre l'itinéraire apparemment. Ah bon? Ouais. Comment ça là? Je t'explique. Tout à l'heure, j'étais avec un de tes gars au concess là. Ouais. Et je lui ai demandé à peu près ben, vers quelle heure il voulait qu'on fasse le taf quoi. Il savait pas, mais il m'a dit là, je l'ai bien dans ma poche, mais il voudra pas suivre l'itinéraire par contre. Mais pourquoi? Apparemment, il se doute que quelqu'un va le choper et donc il veut faire son propre itinéraire quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à ton gars de proposer au G que ce même gars se mette dans la voiture avec lui. En mode, je vous rassure, je fais le voyage avec vous, comme ça personne vous chopera. Soit
dans le meilleur des plans, il roule. À un moment, il prend une route où on attend, on le chope. Ou dans le pire des cas, il roule pas. Mais même s'il roule pas, c'est dans la voiture, il peut nous envoyer des pauses, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais de toute façon, il a pas intérêt de changer l'itinéraire. Hein. Ah ouais, bah après, s'il le change pas, c'est parfait. Mais il a pas à le changer. Parce qu'apparemment, il veut faire le cowboy, là, il veut faire le roi, là, il veut changer l'itinéraire. Ouais, bah il va se calmer direct. Hein. Moi, je pense que faut autant lui dire, hein, pas de changement d'itinéraire, pas de cargaison. Hein. Parce que apparemment il serait équipé de mini-usi, de je sais pas quoi, là il veut jouer les gros bonnets là. Il vous en a parlé, vous, de changer d'itinéraire? Mais non, c'était moi, non. Il m'a voir ça avec le OG, mais... Vous parlez radio là, parce que c'est vraiment insupportable. Qui parle radio? C'est moi. Ah ouais, non, c'est sur... Ok. Calvin, t'es où? Je comprenais pas de sa venue. Je suis là. Mais je t'entends, je te vois pas. T'es où là? Dans quelle pièce? Il est où? C'est rien. Ok. Quand vous serez sur l'autoroute, dites-le moi, ok? Attendez, vous parliez de quoi tous les deux là? Qu'il y a un changement de. Ouais, le Marabunta a changé d'itinéraire. Marabunta a changé d'itinéraire. Ouais. De son propre chef, comme ça. Ouais, ah ouais. Il soi-disant qu'il se doute que quelqu'un veut le choper, il veut changer de plan. Et le cobaye au courant? Non, pas encore. Bah, t'inquiète pas, il va aller très vite. Je vais attendre, puis on va lui dire. Non, t'inquiète, on va attendre que ça se termine tout ça là-bas. Là. De toute façon, il change d'itinéraire, c'est belle tête direct. Hein. Ok, les gars, je vais chercher mes gars, j'arrive. D'accord. Fais tes lacets, s'il te plaît, mec. Putain. C'est le plus parfait. Putain, on va les attraper par les couilles, les mecs, là, puis on va leur bien. Ils ont intérêt de suivre le bon itinéraire, parce que ça va pas me plaire, ça. Je sais même pas c'est quoi le bon itinéraire. Y'a quelqu'un qui a pris mon scorpion. Non, s'il le change, moi je serais même pas perdu, je sais même pas où on va. Ça doit être moi, c'est celui-là, là. Ouais, c'est ça. Oh merde, bah tiens, je te le pose. Attends, tiens, j'ai pris les yeux. Mais là, on aura pas les balles, on va me les poser dans les coffres. Ah, j'ai... Non, ça pue une parce qu'il a pas ton arme. Prends-le si tu veux. Pourquoi tu suces les buissons là? Tu fais quoi? Je parle en radio en fait. C'est bon. D'accord. Parce qu'ils arrivent pas à trouver la truc, mais ils arrivent. T'as pas leur nume? Ouais. Si, mais je parle en radio avec eux, mais c'est pour bien de la pause. J'avais pas envie de déranger le dialogue que l'OG a là-haut avec le mec là. J'ai sauvé un Tegat tout à l'heure. Ouais, ça m'étonne pas. Mécano, il est en train de se faire choper par les flics. Ouais, d'accord. Il nous l'a pas dit ça, tiens. Il s'est fait attraper par les flics là, c'était lequel? Non, il s'est pas fait attraper justement, je suis arrivé à temps. Bon, oui, bah putain. C'était lequel? Je sais pas du tout. Il s'est habillé comment? Suite blanc. Deux. Y'a quoi? Ouais, je pense savoir qui c'est. Y'a quoi? Ouais, y'a un gars qui a failli se prendre par les flics là. Ah ouais, c'est moi. Ah bah c'est toi, ouais. Ouais. Merde. Je suis arrivé à temps. Ouais, de toute façon, j'allais courir jusqu'à Kimtaz. Bon timing. Mais... Merci. Vous êtes où, les gars? Vous êtes où? Heureusement qu'on devait se faire discret. Ok, mais vous venez bien côté maison à gauche, hein, ok? Le petit moulin là qui tourne. Je vous envoie une pause précise au pire. Pas du côté de la grange que j'ai. Ouais, c'est pour ça, j'aurais dû venir côté droit, gauche de la maison. Du coup, je vais dire à Koba pour le truc. Quel truc? Je vais essayer d'aller avec les Maras parce qu'il y a Aaron qui m'a dit qu'ils vont pas prendre le même itinéraire. On va essayer de... en parler avec Koba. Mais... Ah, ok. De toute façon, on va les attraper par les couilles et ils vont suivre ces putains d'itinéraires, je te préviens. Ok.
S'ils suivent pas l'itinéraire, pas de cargaison, c'est tout. Non, mais c'est bien. Ouais, puis il risque à mon avis d'avoir des représailles, donc à leur place, moi je me suivrai l'itinéraire. Ouais, je pense. Mais ça me fait quand même marrer qu'ils veulent jouer les gros bonnets alors qu'ils sont que 3, quoi. Ouais, c'est clair. Les gars, vous êtes du bon côté là ou je vais envoyer une pause à Brian? Vous êtes du mauvais côté, je crois. J'envoie. On est à la maison, ouais. Je t'envoie une pause. Tu me vois là? Ouais, c'est trop beau. Ouais, dis-moi. Ouais, ouais, je suis avec tes gars de l'autre côté là. Ça, c'est sympa. Hein. Là, comme ils arrivent et tout là. Okay, on arrive. Ah ouais. Ils arrivent avec leur petite moto là, tranquille. Les gars, le OG vient de m'appeler, faut aller de l'autre côté là où il est apparemment. Mmh, okay. On a pas d'audio, ça c'est pareil. On va de l'autre côté, les gars. Moi, j'aime bien parce qu'il prévient les bikers, mais pas nous. Mais non, mais on a pas la radio aussi. Putain, c'est pas là. C'est là. Ah, ça c'est une radio. Ah, dis-moi, t'as vu ton message que je t'ai envoyé? Salut. Non, j'ai même pas vu, je crois qu'il a pas reçu, j'ai essayé de t'appeler. Aïe! Salut. C'est moi, tu vois. Non, non, pas du tout, là, je me mouchais dans le masque. Je te laisse lire le message. Qu'est-ce qui se passe? Les marins veulent changer d'itinéraire. Ils peuvent pas changer d'itinéraire, de toute façon, l'itinéraire, je leur ai pas donné de route précise. Mais ils veulent pas le suivre. Ils doivent aller d'un point A à un point B. Ils démarreront du port du sud et leur point final, c'est les bûcherons. Point final. Ok, les bikers? A vous de vous démerder, à vous de prendre en chasse, à vous de placer des checkpoints et de vous passer les infos, tu vois ce que je veux dire, man? Ouais. Soyons clairs, vous serez pas les seuls dans la ville à savoir quel convoi est parti. Ok. A vous d'être solide. Okay. Je teste les maras d'un côté, mais je vous teste de l'autre. Ok. Je teste les trois nouveaux en même temps, les gars, chez vous, pour voir comment ça se passe. Je vois que vous avez du monde, ce... Ouais, pour une fois que c'est nous qui nous sommes un peu. C'est bon? Ouais, qu'est-ce qui est bon, dis-moi? Je sais pas, je t'entendais plus là. Sérieux? Vous m'entendez plus? C'est moi qui ai un souci. Pardon, autant pour moi. Donc les deux camions là vont devoir être interceptés. Par vous, je l'espère. Dans les yeux, la neige là. Et si c'est quelqu'un de lambda, faites attention parce que la LSPD sera sûrement peut-être prévenu ou sera prévenu par des civils ou je sais pas comment ça va se passer. Vous, le but est simplement de récupérer les camions, et de nous appeler dès que c'est ok, l'aéroport du sud, l'aéroport de Trevor. Tu le vois à Sandy Shore. Ok. Tu veux qu'on te ramène le camion là-haut? Oui, tu me les ramènes là-bas. Quand tu rentres sur l'aéroport, tout de suite à droite, il y a une espèce de hangar, tu vois ou pas? Ouais, on va trouver. Je veux que tu me les ramènes ici. Si vous êtes en galère, si vous avez les flics au cul. Ouais. Venez au port du sud, on va vous aider. Ok? Ok, ça marche. Si il faut abattre des marabunta, abattez-les. Si il faut. Pas de quartier. Si il coopère, s'il lève les mains, soyez intelligent, évitez de tirer. Mm-hmm. C'est toujours mieux de faire ça propre sans. Pensez à prendre des armes. Si vous voulez prendre des otages avec vous, très bien. Par contre, ne les ramenez pas devant nous vu que nous leur avons confié la mission. Non, je pense que ça va être désavantageux, prendre des otages. Oh, j'avoue. Ça va vous faire perdre du temps. Ouais. Du coup, vous êtes prévenu. Le convoi va partir un peu plus tôt que prévu, finalement. Il part à quelle heure? Tu seras prévenu directement dès que je lâcherai les chiens. Mais okay. Je pense que aux alentours de 22h15, le convoi va s'en aller. C'est bien les marabunta qui vont, évidemment, qui vont le rouler, hein. Les deux camions. Oui, tu m'as demandé un plan. Démerde-toi. Mmh. Tu m'as demandé un plan pour abattre ce putain de mécano. C'est ça. Et ben, il est sur leur plan. À toi de te démerder. Ça marche. Bon, juste par contre, mes gars là, ils sont pas armés. Je sais pas comment on va se débrouiller de ce côté. Pas armés comment? Ça veut dire pas armés arme du blanche. Tout. Arme blanche. Ouais. Là, on y va avec notre bite et notre couteau là. Qu'est-ce qu'il te faut là? N'importe quoi, même un pistolet à billes, juste pour les planter. Allez me chercher un gun et un minusi s'il vous plaît dans le coffre. J'ai un minusi sur moi. Contre vous, donc on va se mettre d'accord pour les deux. Je vais vous passer deux guns et un minusi. Ok, on va faire ça. Je donne. Techniquement, en marchandises, il y en a pour 700 000 dollars. Vous savez quoi? Je vais déjà donner mon gun à l'un de vous. Comme ça, techniquement, on s'engage.
Chef, on s'engage techniquement à une caution d'1 million pour les 3 armes, si tu me les rends pas. Non, pas de soucis, elles seront. Super, ça me va, moi je marche comme ça. Y'a pas de gun. On fait ça. Si, si, normalement y'a un pistolet de combat. Non, non. Je viens de donner mon menu. Y'a que 2 minutes. J'ai le menu aussi, j'ai le menu aussi. Ok. Pour ceux qui sont présents sur le live. Au pire, le S, pose ton pistolet et prends le UZI. Je m'excuse par avance, mais je vais devoir le relancer. Ça ne va pas prendre longtemps. Hein. Restez sur la page de live et refresh. Et voilà. Je le coupe une seconde et je le relance juste après. Ça devrait pas durer trop longtemps. Je m'excuse. Ça n'est pas pour longtemps.